Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing un peu à la bourre de la Woodbox du mois d'août. Je sais plus. Ou de septembre, enfin bref. Là, c'est d'août. Voilà. Donc ouais, je l'ai ouverte. Je vais prendre le premier item. Attends, hop. Elle est bien craquée. J'ai cru que c'était NordVPN, j'ai eu peur. C'est. Alors, c'est un. Un code pour un jeu vidéo offert apparemment, ouais. Avec la box. Il y a un autre code derrière donc on va le garder, on va pas montrer, voilà, mais c'est juste pour avoir... On sait pas trop ce que c'est via Games Planet. C'est un truc avec les nains de ces régions of Ruin, on n'avait pas déjà vu ça. Apparemment, il est bien noté, 87% d'évaluation positive sur Steam. Je sais pas si... 86, pas 87, mais bon. Ah, le petit fascicule. Là, voilà. On va y arriver à un moment donné, ouais, à faire des produits. Voilà. Oh ah. C'est quoi? Oula! Alors, c'est un t-shirt extraordinaire en iscré, visiblement. Ben, rouge, on dirait un truc brigade militaire. Mais ouais, c'est ça! C'est genre quand tu travailles. C'est quoi? Chez la Croix-Rouge. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Je vois une, vraiment une Croix-Rouge. Lifeguard! Non, cœur de. Amitié, elle en nu. Ah! C'est pour les dents de la mer, en fait. Ah oui, d'accord. Bah oui, il y a. Oui! Ok, l'aileron qui fait du coup la petite. Puis l'ondulation. Ouais. Bon, d'accord. Moi, ouais. Personnellement, il ne me tente absolument pas. Non, je le mettrai pas. Voilà, désolé. Non, je le trouve pas. Il est un peu trop flashy et pas très beau, je trouve. Ouais, je pense ça. C'est quoi, un sac? C'est une bouée. Qu'est-ce que c'est? C'est jaune, en tout cas. Rouge, jaune, les couleurs, elles font pour Et ils étaient très épais en août. C'est quoi ce truc? Ah, c'est en toile. Qu'est-ce que c'est que ça? Jurassic Park. Oh, c'est ce qu'on doit mettre pour skimmer le gros là avant d'aller sur oui, le bateau. Oh, c'est énorme. C'est un kiwi Jurassic Park, t'es sérieux? Et derrière il y a la patoune. Ouais, de la taille du dilophosaure, même si c'est pas à l'effet. Mais la taille du truc, genre tu rentres à deux dedans, je me dis, regardez la largeur des poules. Non mais tu sais, c'est pour les trucs, pour aller sous la pluie, c'est normal que ça soit ample en fait. Ouais, mais là c'est vraiment pour une personne assez ample, enfin vraiment le, qui prend le personnage justement dans Jurassic Park premier du nom. Humley, Humphrey, oh, je sais plus. Avec le petit mot de passe avec le lapin. J'ai vu qu'on pouvait acheter en fait justement la bombe de mousse à raser. Oui, c'est ça, où il y a les échantillons d'années avec les dinosaures. Ouais. C'est drôle, c'est utile. Pas en été, désolé, c'est plus un truc en automne. En tout cas, ils sont très chers. Mais je vois pas qu'on peut mettre ça en août. Non, allez, Wolverine. Déjà plus sobre Wolverine, merci. C'est pas mal. J'aime bien les Q-figures. Bon, on le dit à chaque fois qu'on en a une, mais bon. C'est dire dans tous les cas. Du coup, ouais, on a le Wolverine vraiment des comics. Ouais, en orange et noir, ouais. Ah, il est pas mal, hein. Et stylé, avec le X un peu en relief des X-Men. J'aime bien. Et stylé. C'est plutôt pas mal, oui, c'est pas mal. Toi, tu les collectionnes plus ou moins de toute façon. Donc... Ouais. Bah, c'est à toi, par contre, en train de prendre la Qu'est-ce que c'est que ça? Une casquette Jurassic Park. Ah, le roi lion. Excellent. Là, oui, pour l'été, c'était bien. Donc voilà, du coup, une petite casquette Ruins Jungle, donc la loi de la jungle. En plus, c'était c'était sur le Roi Lion, en fait, cet été à Disney, donc ça va. Bon, la forme est vraiment dégueulasse du truc, hein. Elle a pris cher dans la boîte. Oh, ça se remet, ça, je pense. Mais elle est pas mal, elle est mieux que celle qu'on avait eue pour Pokémon, avec un rouge. Qui était pas terrible. Elle est vraiment sympa. Franchement, ça, été, je la mettrai. En été, je la mettrai. Faut essayer de la mettre, enfin, qu'elle puisse prendre une bonne forme, parce que là, elle est vraiment... On doit bien avoir un truc rond pour la mettre dessus. Mais c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Là, elle est chouette. Une sans peur. Ah, bon, c'est un petit pin. Oh, c'est un petit Tamagotchi. Oui, c'est ça. T'as pas reconnu le Tamagotchi? Non, je n'étais pas dessus. T'es nul, mon pauvre ami. De l'intérieur, bon. Le pin Tamagotchi, je le trouve super chouette. La casquette est jolie. Le Kawaii Jurassic Park... Pourquoi pas? Par contre, le t-shirt, non. Enfin, non, le t-shirt, c'est le pire. Nous, ce que vous en pensez, je pense. Mais tout le reste, c'était pas mal. Je trouve ça très drôle. Tu la mettras, toi, sous la pluie, quand on sera à Disney? Enfin, Disney, non, mais je pense que quelqu'un qui... c'est un petit peu abîmé avec le pluie. Oh là là, oui, mince. Regardez, ils ont tout abîmé, je ne sais pas. Ouais. Il est tout... Dommage. Ah. Mais... c'est toujours utile quand on va dans un pays style Vietnam, etc. Où la mousson est assez agressive, ça protège bien. Je sais pas si c'est extraordinairement étanche. Bah, pff,
Tu sais, dans... Ah, quoique, quoique. Si, je pense, enfin, après c'est une sorte de toile en fait, enfin, la pluie passe pas, et je crois qu'il y a une sorte de double couche en plus. Non, il y a une couche un peu ailleurs, c'est tout, et puis je sais rien de plus. Non, c'est mal, ok. Bon. C'est pas mal. Moi, pourquoi pas. Bon, c'est une box, on va dire, très originale. Ouais. Je vois pas ce qu'ils font les Tamagotchi là-dedans, même si je trouve le pins ultra mimi. Bah, c'était une bonne box, en ouais, fond seul. Moi, j'ai trouvé moyen quand même, parce que bon, ça, je la mettrai en été, ça c'est clair. Ouais. Tamagotchi, j'adore, mais le Kawaii Jurassic Park, bah, il y aurait pas écrit Jurassic Park dessus, je le trouverais vraiment nul à chier en fait, on va pas se mentir. Et le t-shirt, les dans la mer, franchement, je ne sais non, pas. Non, le t-shirt dans la mer, je ne sais pas du tout. C'est le pire t-shirt qu'on ait eu chez Woodbox, enfin, selon nos goûts à nous, hein. Ouais, ouais. Vraiment, bof. Enfin, vraiment, je suis pas fan. Alors pourtant, j'aime bien Spielberg, les dans la mer, tout. Bah moi ce que je trouve bien en fait à ce truc là, c'est que ça peut être utilisé quand on fait vraiment bah, des sorties dans un pays où il pleut vraiment d'un seul coup et qu'on souhaite quand même explorer. Enfin, c'est toujours utile en fait, c'est pas un truc que tu vas mettre ça de côté, bon au moins tu peux le réutiliser. Tandis que bah, des fois on a des goodies où c'est moche et en plus c'est même pas réutilisable. Donc là ça va, franchement pour une box d'été où de base je suis pas trop fan des box d'été, bah là c'est plutôt pas mal. C'est bien le mois d'août parce que ça si, normalement c'est ça, moi. Précise pas, eux ils écrivent pas ce que c'est. Ah si, août. Moi aussi, c'est bon. Ouais, c'était le mois d'août. Ouais, il y a eu en fait un retard pas possible sur l'envoi des box. Ouais. Ils ont même pas tenu en courant en fait de. Bah, si on va pas trop sur les réseaux sociaux, on sait même pas ce qui se passe. Et puis nous, on l'a reçu vachement après tout le monde. Les gens l'avaient déjà reçu. Nous, on l'a mis plus d'une semaine après les autres à recevoir. Bon, après, on a puis 15 jours à faire la vidéo, c'est du coup, voilà. Pas, mais, bon, dites-nous si ça si vous plaît, s'il y a des items plus que d'autres que vous préférez. Enfin, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on vous dit à une prochaine. Salut, salut, salut.